jamais une vie après la mort. J'espère que ta deuxième te rapporte plus que la première. Ben, ça dépend si tu reviens en propriétaire de banque ou en rat d'égout, mon ami. Les propriétaires de banque, c'est tous des rats d'égout. Anyway. Quand ça, dans leur vie intérieure? Antérieur, le con, pas intérieur. Antérieur, mon cul. Qui c'est qui décide en quoi qu'on revient après notre mort, hein? Réponse, c'est toi le physiologue. Le quoi? Le physiologue. La physio. Yo, mon frère étudie là-dedans. Tu sais, Socrate, Platon. La gang des Grecs, là. Physiologue, enfoiré. Oh, il est wild, man. C'est les philosophes, tata. En tout cas, toi, le burn, c'est réglé. Si 50, ça va être en poulet. All right. Un gros gris de poulet barbecue avec la sauce brune et les patates graisseuses. Tu sais, tu manges ça de queue ici. Dégueulasse. Allez, décolle, merde. Ah ouais, putain, décolle. Je voulais tout savoir. Moi, c'est ton trip de réincarnation, j'y crois pas. Une fois qu'ils te mettent dans le cercueil, tu pourris là, c'est tout. Ah ouais, du cœur! Ben, c'est ça. Toi, tu pourriras pendant que nous autres, on va aller faire du surf en Californie. Mais... Qui c'est qui dit que tu vas revenir en surfeur, hein, mon petit chou? Pourquoi pas en girafe, hein? Ben, si dans 2000 ans, tu vois une girafe qui fait du surf en Californie, tu diras que c'est moi, c'est tout. Physiologue. Ouais, relax, là. Il y a pas de stress. Ma voix! Hey, c'est pas Marie qui s'occupe de toi, c'est moi. Voyons en dedans. Mais arrête de dire t'as peur de ci, t'as peur de ça. Ça se peut pas que t'aies jamais eu de rêve. Tout le monde a des rêves. Ben, c'est sûr que si je peux partir pour le Grand Canyon demain matin, j'irai. Hein? Le Grand Canyon, c'est pas si loin que ça. Ça se fait sur le pouce. Sur le pouce, une fille toute seule. Come on. Où c'est que t'étais, toi? Tu cherchais des canettes vides. Mais il est dans le bed, là, il est assez tard. Puis lui, hein, il se couche pas? Lui, il laisse les faire. Ouais, dans le bed qu'a dit, là. Je vais aller te conter ton histoire de peur. C'est lâche, pas juste. Tant qu'il y a amené de la poudre, là, t'aurais pas pu y amener des allumettes avec? Non, gueule la poudre, c'est moi qui ai oublié de l'éteindre. Moi, j'ai de l'école demain. Je pourrais pas dormir si t'es là. Mets dans le bed puis ça presse, OK? Ouais. Tu veux repartir sa rechute, tu trouves pas que t'en as assez fait? Hey, relax, man, OK? Hey, j'ai-tu le droit de fêter un peu sans que tu grimpes au plafond? Tu mets dans l'arbre puis t'as laissé faire. Après, c'est nous autres qui va payer pour. De la musique au bout d'un coup parti, hein? La police va arriver, ils vont appeler ma TS, puis là, nous autres, on n'aura plus de mère. Hey,
Steph, j'ai un gilet pour toi. Moi, je veux plus le mettre, ça me rappelle trop d'affaires. T'es sûr que je peux stacher ça ici pour une couple de jours? Ouais. Et oublie-le pas. Ah, wow, il est beau, hein? Moi, avoir une vraie job dans la vie, ça aurait été de marcher sans fil de fer. Toujours eu bien l'équilibre. Le truc, c'est de pogner le fixe, l'horizon. Faut que tu regardes loin, le plus loin que tu peux. Hey, le cul, veux-tu bien me dire ce que tu fais? J'enlève mes empreintes. Sais-tu combien de vols de chars en moyenne dans une année? Combien? Je sais-tu, moi. Mais pas mal trop qu'ils perdent le temps avec tes empreintes, pauvre. Check la passe, mon gars. Et loco. Ton feu. Passe-toi, je vois rien, man. Mais pas nerveux. Nerveux? Pourquoi nerveux? Il y avait rien. Là, on était dehors à surveiller, hein? Oh, yeah. Ta madre, man. Oh, shit! Regarde le style, man! Bingo, prends la tape, là! Je veux me voir! Tu peux pas te voir, épais! Tu l'as arraché, le vidéo, avant! Ah, fuck! Tu peux attendre qu'on ait fini? Hey, c'est pas drôle, tu l'as pogné à son meilleur moment, man! Lui, à part son nombril, y'a-tu quelque chose qui l'intéresse? Ouais, sa queue! Ouais, une chance que t'aies, que t'as pouvais passer un test d'intelligence pour entraîner PL, hein? Parce que t'aurais coulé d'aplomb, mon chum! Puis, on arrive-tu? Ouais, avec le cash qu'on a fait au dépanneur, qu'on balance plus! Il manque encore 220. Je vais vous en trouver de l'argent, moi. Où ça? Dans les poches de ta mère? Il y en a pas de mère. Oh! Oh, c'est ça que vous avez en commun, les gars. Là, je viens de comprendre. Je me suis tout le temps demandé ce que Blanc faisait dans notre business. Voilà, ferme ta gueule.
What the fuck you doing here? Pas content de voir ton cousin, man? Hey, check ça. J'ai fait un dépendant, on a ouvert la cassette. Comme dans le film. Tu sais, les deux blacks qui rentrent dans le dépendant. Plow, tu le chinois. Plow, tu la femme du chinois. Plow, 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 pique la cassette. Fait que c'est quoi le titre déjà? Ok, t'es bon là-dedans. La belle au bois dormant? C'est tu, mon mec. Hey, come on, man. On voulait que tu nous vois live. Oh, come on. Hey, come on. Out. Hey, come on. Sortez d'ici. Come on. Out. Come on. Out. Go, guys. Quoi, tu laisses? Faut que je te parle. You. Imagine, tu te fais arrêter, puis t'as ça dans les poches. Intelligent? C'est une joke. Hey, when you're fucking around, I don't want you hanging out here. This is my fucking house, not yours. Use your fucking brain! Okay, okay, relax. Sometimes, you know what I think you are? A wannabe. Fucking wannabe! Wanna be fucking happy, that's all. ¿Qué andas? ¿Qué tal? ¿Y tu hermana? ¿Le pediste lo que te dije? Le gustas mano, pero tiene pena. ¿Tiene derecho a salir o tu papá la amarra a la puerta? Tampoco, pero algo por ahí. Hey, man. Decile que la quiero casar. Ok, me voy a polo. Voy a tatu. Hey, man. Écoute, c'est trop fat. C'est la fille que j'ai rencontrée à danse ce soir, là. Quelle fille, man? Comment ça, quelle fille, man? C'est la seule, man. Tu sais, la blonde, là. Celle qui voulait attraper ma grippe. Hein? Hein? Tu viens-tu d'elle, hein? OK, 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 OK. Lève-toi pas, là, je la place, hein. Elle a une cousine. La cousine, hombre. Le body du siècle, hombre. Avec un appartement à part de ça, mais ses vieux sont jamais là, man. Et ils me l'ont rencontré samedi soir, man. Tu peux pas manquer ça, man. Tu peux pas manquer ça, man, hein? Quand est-ce que tu vas arrêter de te servir de moi pour poigner les filles, hein? Oh, tu sais que ça t'école, hein? Mais tu me dis jamais non, hein? Puis arrête de jouer au martyr, là, hein? Comment, là? Là? C'est pas qu'elle t'aime pas, Fresco, c'est juste que son cœur est prêt ailleurs. Où ça? Toi, mais tu sens pas, t'es trop jeune pour moi. Quel âge tu me donnes? Parle pas de ton âge mental. On perd de l'âge que t'as si t'as passe de boss. Regarde, dans 2 ans, là, toutes les filles vont être après toi. Mais là, tu cherches un chum qui a un permis de conduire. Ah, il me semblait bien que tu cherchais un lift, mais... Vas-y, relax, sinon t'as pas le temps. Je pensais que t'es supposé me rappeler, toi. Tag, arrête ça, OK? Ça fait 12 000 fois qu'on en parle, là. Passe à autre chose. Hey, c'est facile à dire pour toi, ça. Il y a plein de filles qui attendent juste ça, te consoler, profite-en donc. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je t'anime de marcher comme tu marches, de respirer comme tu respires, puis de penser comme tu penses. C'est ça. Disons que je t'en estime de macho. Hey, Steph! Trouve un livre! Hey, c'est qui, lui? Lâche-moi! C'est qui, lui? C'est un chum du squat! Lâche-moi, Colin! Relax, man! Oh! Dang, relax! Calme-moi pas, je t'ai trouvé un lift. Le couvre-feu est à 10 ans. Relax, mon chum, il va aller te reconduire. T'es connais, au centre, ça doit déjà être écrit que j'ai fait une fugue dans mon dossier. Il va pisser sur le gaz, je te le promets. Ah ouais, il est chié à ton centre, puis reste avec nous autres. Hey, elle a pris des résolutions, là, pousse la peau. Ah oui, c'est vrai, c'est juste toi qui as le droit de faire des fugues.
Ouais, pas, force pas tes neurones, OK? Y vas-tu, là? Moi, j'y vais pas, certain. S'il y a deux affaires que je peux pas te sentir, c'est l'hôpital et le centre d'accueil. Des deux centres, comme... C'est la goulage blanche, là, qui ressemble à des deux petits poissons morts avec une cerise sur le top, là. Le tapioca, c'est ça? Piper, coucher. C'est même plus de bout. Faut que cache ton stock, Steph, les couches. Hey, les babies! Y'a pas de beigne ici, ta gueule! Y'a pas de cadavre d'un sécheuse, j'ai vérifié. D'un laveuse non plus. C'est quoi ton petit nom, toi? Love Anderson. Ça s'appelle Love. Mm. As-tu des papiers? Des papiers? Moi, ça. J'ai même pas de sacoche. Toi, c'est quoi ton petit nom? Je trouve pas mal cute pour une police. Pas de place pour flâner ici. Hein? Oh, on se réchauffe comme on peut, Votre Majesté. Elle était juste venue téléphoner à sa mère, hein? Ouais, elle s'en vient nous chercher, là. OK. Ben, si vous êtes encore ici dans une demi-heure, on risque d'être un petit peu moins gentil avec vous autres. Là. OK. Okay. Toi, Squidgy, out. Le patron, il est tanné de se faire vider les machines. Ah ouais! Ah ouais! Love Anderson? Ben. Ethan! Entrez, entrez, entrez. Me estoy cagando, 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 cagando. Ah ouais, t'as ouais, ouais. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fout? Si tu veux. Ça va? Hey, Tag, t'as pas une idée, bro. Hey, pourquoi c'est tout le temps moi qu'il faut qu'il décide, man? C'est toujours toi qui décide anyway, man. Yeah. J'étais allé voir les Rastas hier. J'aurais fait un deal. Trois chameaux comme trois onces de weed. Les salauds ont pas voulu, man. Hey, c'est-tu que j'aille ça l'hiver, là? Mm-hmm. Ah, on va chaud pour les gars. Yeah. J'suis pas en vie. Bien, hein? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. On va tuniser les coches au bord du parc, hein? Trop frais, Ben. Ah oh, ouais, c'est vrai, hein, l'hiver, pas de blonde, hein, c'est l'enfer. Là, on s'est dit qu'on parlait pas des filles ce soir. Oh! Regardez-vous en, ça va jouer au pot. Quel j'avais dit, toujours lui qui décide, hein? Fucking guy. En tout cas, moi, hier, c'était pas mal porno, mon affaire. Ah yeah? À qui? Laisse faire à qui? La fille habite dans mon bloc, puis elle veut pas de publicité. Quoi, c'est une pute? Fuck you, je te dirai rien. Ça doit être dans ta tête, gringo. Oh! What's up? Hey, les gars, les maillatés! Oh. Hey, j'ai une nouvelle joke pour vous autres, les gars! Savez-vous pourquoi quand un aigle, ça pète, ça pue pas? Hein? Fuck you, gay boy! Get my mom! Get what's up? What? Yeah, what's up? What the fuck, people? Puto, que la chine qui? People, déjà, t'es avec la concha! Hey, c'est notre territoire ici, man. Yeah? Yeah. C'est où? Ah, ma grande gueule, tu portes feu, hein? OK, back up! Back up!
Cherche-moi pas, je te tire dans le front. OK. Sors-toi-en, Star. Oui, tu sais. Quoi? Tu peux faire-tu dans le dos? Hein? Allez, c'est comme un rat. Let's get the fuck. Let's go, guys! Let's go! Demain, dans le cahier actuel de La Presse, ne perdez pas votre vie à la gagner. Je perds toutes ces assiettes. Hey, si t'es pas contente, là, fais-le donc toi-même. Je peux tout le temps laver, mais t'es trop poche. T'es vraiment trop poche! Hey, toi, je veux te parler. Vous autres, vous continuez. J'espérais vraiment. Tu voulais que je revienne, je suis revenue. Tant pis pour toi. Revenu de ton propre gré, je te ferai marquer. Aurais-tu aimé que je te convainque de rester à déprimer dans la rue? Je sais que ça peut bien être faute à toi que je déprime ou pas. C'est ma vie. J'ai le droit de faire ce que je veux avec. Tu veux me provoquer, c'est ça? Tu sais pas quoi faire avec ton malheur, fait que là, tu vas revirer toute l'unité à l'envers, c'est ça? C'est ça. Je me fais enfermer dans une cage, puis ça devrait faire mon bonheur. T'as tout compris, Luce? Au lieu de rester ici au chaud à en parler, t'es allé te perdre dans des ruelles avec des écœurants qui te prennent pour une poubelle. Puis tu voudrais que je sois d'accord avec ça? Je t'aime, moi. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Puis je m'inquiète pas ordinaire quand t'es pas là. C'est ça que je suis, une poubelle. Ma mère, elle fait rien pour que je revienne avec elle. Je sais que c'est pas facile. C'est une poubelle quand je disais rien sur mon chum. Pis là, je suis devenue la poubelle qui a brisé sa vie. Qu'est-ce que ça me donne à moi d'essayer d'être correct? Pourquoi c'est moi qui est punie ici? Parce que le système est fucké. Puis que des bras pour vous bercer, ça fait pas partie de notre définition de tâche. Toi, tu me berces encore. Ben oui. Je vais te bercer. Encore. En cachette, s'il faut. On va faire un semblant là que c'est la limousine de Poupou, OK? On va aller loin. Hey, Willow! Salut. Qu'est-ce que ça? Va pas? Oui, ça va. Hey, comment? Ma mère a fait une rechute. T'es sûr? C'est à cause de ton ex. Elle arrête pas de venir nous écœurer. C'est rien qu'une conne. Hey, les mères, hein? Encore ma blonde. Pourquoi tu m'as pas appelé quand t'as vu qu'elle partait sur le party? Quand t'es avec ta gang, t'entends pas mes infrasons. T'aurais pu me faire des infrasons au téléphone. Je t'ai appelé aussi. T'étais même pas là. Tiens, quelque chose pour ta collection? Oui. Ouais? T'as l'air en forme? Ouais, je suis bien en forme. J'ai décidé qu'il était temps que je prenne de l'air. Tu sens me calme. Hey, Isa, t'as-tu mangé un matin? Oui, j'ai mangé un bol de céréales. Comment t'as pas fait tes toasts? Non, il n'y avait plus de pain. Voilà. Voilà. Il paraît que Steph est revenu faire son tour. Cool.
avait du stock, puis c'était gratis, là. Puis elle était sur le rail. Moi, j'avais juste besoin d'un petit break. Hey, tu sais très bien qu'est-ce qui se passe quand t'es avec. Hey, elle était dans la rue depuis 5 jours. Il fait frais, ton gel. C'est rien qu'une pause, hein? Relax, OK? Fuck, Mélanie. T'es décline depuis des semaines. Tu dis ça à Steph? Mais parlez, moi. Non. T'es plus avec, t'es plus avec. Lâche-moi avec ta morale un matin. Allez, oui, toi, t'es libre, toi, tu fais ce que tu veux. Pas moi. J'étais plus capable. Je suis juste partie sur une petite go. Ça m'a fait du bien au bout. Je suis de bonne humeur, that's it, that's all. Mm. Chez les mères éléphants, la pire affaire qui peut arriver, c'est que leur bébé meurt. En dedans d'elle, il y a des tonnes de lait qui continuent à couler. Mais vu qu'il n'y a pas personne pour le boire, le lait reste dans leur ventre. Ça devient comme du fromage, puis là, elle meurt. Hey, Kev, on va chercher du pain. Du pis du bacon aussi. Hey, non, man, on a du cash au bout. Faut en profiter pendant que ça passe. You fuck up. Hey, non, tag, mais... Je te parle pas d'avoir de l'argent, je te parle d'avoir une vie. Quelque chose de différent. Quelle vie, man? Quelle vie voudrais-tu vraiment que j'aille, hein? Man, si t'en vas pas d'autre, c'est ton problème à toi. Ah, c'est quoi, là? T'as viré straight? Hein? Mm. Hein? Ton père menace de te déshériter? Hein? Même pas. C'est philosophique. Mm. Oh, now I get it. OK, c'est elle qui te met des idées dans la tête, c'est ça? Hein? C'est elle, la physiologue? Hein? Hein? C'est une side, Julie. Non, tu sais ce que je veux dire, Tex? Des fois, j'en ai marre, merde. J'en ai marre dans des yeux, dans le dos, parce que les coches me collent au cul. Moi aussi, merde, OK? Moi aussi. Hey, moi, je serais jamais avocat. Je serais jamais médecin, je serais jamais rien. L'avenir, moi, je m'en crisse, man. Tu me connais, je m'en crisse aussi. Je sais pas pour toi, mais pour moi, des fois, j'y pense, puis... Je sais pas. Ça me fait peur. Moi, je pense que l'avenir, c'est une religion. Il y en a qui ont la foi, puis d'autres qui l'ont pas. J'aime autant pas y penser. Hey, Tu vois-tu Steph, toi, des fois? Ouais. Ben, dis donc que j'étais carré d'attendre. T'as été trop loin. Hey, je voulais pas être agressif, OK? C'est juste des fois, je suis trop intense, c'est tout. Ouais, je suis en retard. Tiens, bon. Dime algo, ¿dónde está el lavadero por aquí? Hey, Fox! Hey, que passo, man? Comment t'as? Hey, j'ai juste à job, man! Je suis pas le cousin du boss, là. Faut que je fasse mon cash. Hey, t'as là. Óyeme, Eduardo. Tu agente de probación habló a la casa. Dijo que te faltaban todavía 30 horas de trabajo comunitario por hacer, por tu última tontería. Yo pensé que ya lo habías hecho. No me dieron una fecha límite. ¡Hey! Te hubieran podido meter a la cárcel 6 meses y por tu última estupidez. Y tú piensas que podrías hacer tus trabajos cuando se te pegue la gana. Ya, quería ir este fin de semana, ya, soltame. No, yo estoy trabajando, cállate. Tú siéntate ahí, espera. Yo no me hacía del rogar por ayudar a la gente. Es correct, es correct. Ya cané ton histoire.
se ve del carro? Entero, hermano, entero. Me lo lave entero porque, ¿sabes? A mí me mandó Juanito para acá. Porque aquí la cosa estaba buena. Mm-hmm. Ok, merci. Je suis capable d'entendre. Tag, c'est ton père. T'es tout pareil dans la famille. Son père, son grand-père. Tu comptais des peurs en essayant de se faire croire que le monde serait meilleur un jour. Puis lui, il espère encore. Moi, je serais pas comme lui. Ça veut dire quoi? Chialeux puis frustré. Il a tout sacrifié pour ses enfants. Tu peux lui montrer un peu plus de respect? Ah, il a choisi sa vie. Il choisira pas la mienne. Voler des dépanneurs. Maudit beau choix, ça. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais ça, moi aussi, me payer un gym, un car wash, des blocs appartements. Tiens. Je te trouve pas mal à vide à ce temps-là. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hey, c'est vrai. Tout ce que je fais, on dirait que ça fait pas ton affaire. J'ai hâte que tu vieillisses, c'est tout. Tu joues au King? Hein? Le chef de Perros Locos. Donne-moi là ma chance, puis tu vas voir que mon fan club, il va prendre la barre. Je veux un gun. Pourquoi? Les snakes, y en ont un. Tu t'en châteras un quand tu seras majeur. Tiens. T'es pas obligé de tout le dépenser aujourd'hui. Ton mal, je voulais t'acheter ton cadeau de fête. Viens me donner mon bec. Oh, Jesus! Lâche-moi. Va jouer dans ta chambre un peu, là. Oui, mais Amanda m'a demandé si je pouvais aller jouer chez elle. Je peux plus. Oui, oui, c'est bon. Oh, j'ai faim. Je veux manger. Hey, elle a mangé comme une truie. Menteur, c'est toi, le truie. Ben, ils arrêtent de crier, là. Kevin, va t'en voir, c'est qui? Fais-le dans toi-même. Je veux tourner de la visite. Ouais, il avait nous parler, notre petit ami. Paraît que t'as une grosse grippe? Ouais. C'est elle qui me l'a donné. Ouais, hier et tout ça, c'était épouvantable. Ouais, mais là, ça fait 10 jours qu'il a pas mis les pieds à l'école. Je faisais de la fièvre aussi. J'ai fait 42, là, pendant 5 jours. T'as fait 39, mon amour. C'est trop pareil. Raconte-moi pas d'histoire, Mélanie. T'as une voisine qui nous a appelé pour dire que t'avais recommencé à inviter du monde sur le party la nuit? La voisine d'en haut, c'est une folle. Elle se couche à 8 heures, puis elle passe la nuit à regarder son dentier flotter dans son verre, ça veut dire. Je consomme plus, ça fait 3 mois, là. Je suis tout tofu puis aux légumes. Tu vois ce qu'il y a dans mon frigidaire aussi? Kevin devait voir une psy chaque semaine. Pas une fois par mois. T'étais censé placer ton petit à la garderie pour avoir du temps pour trouver un job, t'as pas voulu. Tu en essaies de t'aider, tu veux rien savoir? Mais il veut penser que je sais pas ce que t'essayes de faire. Ça va être 3 jours à la garderie, puis après, ça va être le foyer d'accueil. Je sais ce que t'as en arrière de la tête. Lola, tu paranoïes. Tu retournes dans tes anciens patterns, là. C'est pas avec moi que tu vas dévier, ça va être avec le juge. Si tu t'en mets sur la dos, tu vas y perdre tes enfants. Toi, tu veux pas que ça arrive? Moi non plus. Tu voulais me prendre par surprise, tu l'as fait, là? Ces enfants-là, ils ont une mère, puis était sur le bord de le faire à souper, puis elle va envoyer son petit à l'école. Quand elle va avoir guéri sa grippe, puis elle va l'envoyer chez son psy. Quand elle va avoir du cash, merci, bonsoir. Mélanie, la psy, c'est gratis. Je voulais juste que tu saches qu'on est là pour t'aider. On se comprend-tu, là? Je pense que tu vas pouvoir aller à l'école.
C'est qui sont les petits? Ça a bien pris du temps. Ma soeur voulait me prendre de l'air avec nous autres. J'étais obligé de ramer. Fatigant, Antel. En tout cas, moi, il y en a un que j'aime en chien en soir, c'est ton cousin. Rampe-toi pas la tête tout de suite. Sur quoi? Tu as pensé à moi, oui ou non? Ouais, mettons que t'étais sur sa liste. Yes! Il regrettera pas de m'avoir choisi, ça, je te le garantis. T'es les jobs de pro, je suis capable d'en prendre, amène-en. La job de pro, c'est eux autres qui la font. Nous autres, on est juste là pour checker, OK? Et tu dis que je t'essaie de voir? Tu diras toi-même, là. Il était temps que quelqu'un me donne un break, parce que moi, dépendant à un fresco, je n'ai plus le cul. Il n'y a plus de kick. Ben, c'est pas l'autre soir. Hey, j'ai de l'ambition dans la vie. La gang a ses limites, puis ça, tu le sais. Hey, c'est pas la modestie qui t'étouffe, toi? Modestie, c'est une perte de temps, ça. La vie est bien trop courte. T'as pas avoir peur, je repartirai pas sur la gauche, je te promets. Tu me crois-tu? Eh oui. C'est de ma faute, j'étais bien partie, là. Faut continuer. Demain, on repart à neuf. Bah. Si t'étais pas tombé en amour quand t'avais 15 ans, moi, je serais jamais née. Disons que j'aurais pu attendre un peu. Ouais, mais tu m'aurais pas eu. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Si tu m'avais fait avec un autre chum plus vieux, ça aurait pas été moi. J'aurais fini par t'avoir avec n'importe qui. T'as toujours été dans mon cœur, depuis que je suis petite. Il fallait que tu viennes au monde, c'est pas pareil. Ça te dérange-tu si je veux prendre une douche? Non, fais pas de bruit, Boubou est dans mon lit. C'est un mauvais coup, ça, tout bas. Salut, Kev. Chien, petit Kev. Fucking crazy.
pensais qu'on peut rester chum, mais ça a l'air que t'as rien compris. Fait que le problème, on va le régler. Hey, non, pas au téléphone, là. Où c'est que t'es, là? Je peux pas te parler. J'espère où je suis, je veux plus te voir. Hey, dis pas de conneries, là. Dis-moi où c'est que t'es, je vais te rappeler. Je crois pas. Regarde. Au cas où t'aurais pas encore compris, je veux que t'arrêtes de faire comme je suis encore ta propriété, OK? Je fais ce que je veux. Je parle à qui je veux. Je m'en droit de vivre, OK? Bonsoir. Le dernier train de Pierre Trudeau est arrivé à Montréal. Des milliers de citoyens vont lui rendre hommage à l'Hôtel de Ville. Puis Fidel Castro est aussi arrivé à Montréal pour les funérailles de demain. Enfin, début d'un procès test pour la nouvelle loi anti-gang, les Rock Machines sur la sellette. À tout de suite.